Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Castelix et aujourd'hui on se retrouve en ce 25 août 2017 et oui, chez Baro qui tire parce que Baro qui tire est arrivé, il a des choses à nous donner et on va aller voir ce qu'il a à nous offrir. Bon oui je sais, Nova est en train d'imiter, et oui elle aime bien se foutre de la gueule de Baro qui tire. On peut la voir, elle est sur sa tête, oui, et elle fait exactement pareil. Bon, elle ne fait pas d'escroquerie, mais bon. Bref, on arrête les conneries. Allez, hop, redeviens. Voilà. Donc, oula, oui, oulala. Il y a du monde. Donc, du coup, bah, c'est simple. On va aller voir. Oula. Ah, Golden Warrior. Oh, c'est beau. Oui, oui. Donc, ça, je ne l'ai pas. Donc, les Foros Leg Plates. Ok, et eh ben ça, hop. Ouais, voilà. Vous voyez, à chaque fois, vous voyez, si vous aimez ça, etc., etc., reviens dans le relais, tu verras, j'ai des choses spéciales pour toi. En gros, hein, c'est vraiment un escroc, parce que... Des choses spéciales. Moi, j'ai... Enfin, effectivement, je les ai déjà, donc... fatalement, voilà. Mais bon, après, c'est pas si spécial. Ça revient souvent, enfin, voilà, après... les modes électriques, il faut les récupérer. Enfin voilà, là il y a le Vulcar Vrice quand même. C'est vrai que j'avais pas vu qu'il y avait le Vulcar Vrice. Donc, ok. Après, qui tire chestplate, Prisma Shade. Enfin, voilà, ça c'est des choses qui reviennent régulièrement. Donc, eh bien écoutez, bah, moi j'avais pas ça. Donc voilà, bon, ça je l'ai pris, c'est simple. Par contre, aujourd'hui, bah, sincèrement, bah, je vous dirais de prendre Prime Breach. Si vous l'avez pas, franchement, faut le prendre parce que celui-là, franchement, il est vraiment très utile sur certaines armes de mêlée. Ah, vous allez voir que la portée, c'est ce qu'il faut. Donc, atteinte accrue en anglais, récupérez-le, vraiment. Après, vous avez tous les modes électriques, donc là, récupérez-les aussi. Ça, c'est sûr, si vous ne les avez pas, prenez-les. Ils sont très intéressants au niveau du statut et au niveau des dégâts électriques. Ça aide beaucoup. Le Vulcar Rice, récupérez-le avec la Prisma Shade pour récupérer les l'XP Mastery quand même. Ça, c'est une chose assez intéressante. Après, le reste, ce ne sont que des skins. Donc, tout ce qui est ici, qui tire chestplate, le Scimitar Prisma skin. Vous avez aussi les fireworks de Baro qui tire. Donc, après, bah, ça, c'est vous qui voyez. D'ailleurs, je vais en prendre parce que je m'éclate avec ça. Et je vais en prendre. Voilà, je vais en prendre 3 direct. Pourquoi je ne peux pas les prendre? Ah oui, parce que j'ai pas assez. J'en prends que 2. Voilà. Oui, puis j'ai la flemme de les. Ouais, ouais. Ouais, vous voyez, il est content de faire du business avec moi. Peut-être que. Ouais, mais non, mais c'est bon. Pour avoir d'autres trucs. Non, c'est bon. Ah. Et du coup, bah, vous voyez, il y a toujours la petite quête des sables d'Inaros. Donc écoutez. Ça, après, c'est. C'est à vous de voir. Donc voilà, donc globalement récupérer les modes, hein, les modes de dégâts plus le mode attaque accrue plus également Prisma Shade et Vulcar Vrice, vraiment pour la priorité de ce week-end sur Baro qui tire. Voilà, tout simplement. Et ensuite, bah, tout ce qui restera en skin et puis les fireworks, comme je disais tout à l'heure, vous les prenez sans problème. Voilà. Et bien, écoutez, je vous dis à bientôt les amis. C'était Castelix. Et puis n'oubliez pas ma chaîne vlog, hein, si vous voulez faire un petit tour et vous abonner, ça me fera vraiment très plaisir. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, c'était KCX, et on se retrouve très très bien. Ciao, yeah.